salut! T'es-tu déjà demandé à quoi pouvaient bien ressembler les autres chambres que la tienne? Je t'invite à venir avec moi à leur découverte. Ouais, ici. Aujourd'hui, nous allons visiter la chambre d'Alissa qui passe sa semaine au pensionnat. Elle habite à Anvers, en Belgique. Alissa danse tous les jours. Et sa chambre, elle est dans une annexe de son école de ballet. Quand j'avais 5 ans, j'ai vu sur la télé une danseuse qui dansait très bien. C'était de la danse classique et j'ai aimé beaucoup. J'ai demandé à ma mère de prendre des cours de danse classique. Et puis j'ai fait une année et j'aime bien. J'adore. Bienvenue dans ma chambre. C'est là où je dors. Je m'appelle Alissa, j'habite à l'internat Ruggeveld et j'adore la danse classique. On est déménagé à Bruxelles. Maintenant, je suis ici en Anvers à la Koninklijk Ballet School d'Anvers et je suis très contente que je suis ici. Quand j'ai fait l'audition, j'étais un peu stressée. Mais puis, quand j'étais dans le cours, avec tous les profs et les enfants, ça a été. Et puis, je devais attendre 2-3 semaines. Puis le résultat, c'était très bien. Ça, c'est une petite ballerine que j'ai reçue de ma grand-mère de Russie. Et je regarde tout le temps quand je viens de l'école pour faire mes devoirs parce que c'est sur mon bureau. Et je trouve très jolie. Quand je regarde, je dis c'est moi. Ça m'encourage. Ça, c'est mes pointes. Elles sont déjà vieilles. Je l'aime beaucoup parce que ça me fait une bonne coup de pied. Donc ça, c'est bien. Ma danseuse préférée, c'est Svetlana Zakharova. Elle est russe et j'aime beaucoup parce qu'elle danse beaucoup avec son personnalité, son cœur et j'aime beaucoup la regarder. Mon rêve pour plus tard, c'est de devenir une danseuse professionnelle pour aller voyager partout dans le monde, pour danser, pour faire des spectacles. Maintenant, je vais faire ma valise parce que c'est le week-end. Donc ça, c'est mon sac de danse qui est très important. Ça, c'est mes compresses. Je dois avoir ça tout le temps avec moi parce que j'ai beaucoup de blessures. J'ai mes pointes. Dans la vacance, je vais les coudre. Voilà. Ça, c'est tous mes trucs pour les cheveux, aussi très important. Et voilà. Et maintenant, je suis prête pour aller à la maison demain.